J'entends dire le rap est mort, c'est quoi ça? C'est quoi ces rumeurs? Le philosophe Lion, écoute, c'est yo. Ici. Dire que le rap est mort, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour être au top, faut d'abord suer. Y'a du bordel, mais c'est à nous de faire le ménage. Trop de comiques, le rap devient un manège. Il faut de tout pour faire un monde, donc il faut différents styles. Mais dans ce milieu, très peu savent se différencier. Beaucoup ont le flow, mais pas le texte. Pourquoi tu rappes si c'est juste pour dire moi, tu peux pas me tester? À les entendre, les rappeurs sont tous des tueurs. Tu parles que des pédales, quand tu les testes, ils sont en sueur. Y'a trop de touristes dans le monde rapologique. Je suis assuré touriste, que les ventes baissent, c'est un peu logique. Quand tu vois le nombre d'albums bâclés, tu dis, y'en a plein qui méritent d'être taclés. Sur 15 sites, t'en as 6 qui sont là pour boucher les trous. Trop d'M6 perdent leur froc juste pour toucher des sous. Je veux coucher des crews avec des textes sensés. Y'a pas de fumée sans feu, je rajoute un peu de sensé. Pour brûler les faux M6 qui font des hits mais ne veulent pas assumer. Ceux qui s'endorment sur leur laurier, une fois qu'ils sont au sommet. Le rap c'est comme un sport, donc appelle-moi challenger. Je fais attention à ce que je dis parce que je m'adresse aux teenagers. Beaucoup de rappeurs savent rapper mais pas parler. Écoute-les à la radio, ils ont du mal à s'exprimer. Rappeur conscient, j'assume chacune de mes phrases. Même quand je fais de l'ego trip, j'assume chacune de mes phases. Chacune. Le rap est mort, non, il est juste malade. Mes rimes décomprimées et sur l'instru, je me balade. Si, si, après on me dit que le rap est mort. Le philosophe, Lion,